Bon ben tu fais au caramel. Aujourd'hui, tuto comment déclarer son nom d'amour. Pour l'étape 1, déclarez-le avec de la politesse. Pour l'étape 2, expliquez pourquoi vous ne l'aimez pas sans le blesser. Pour l'étape 3, si vous voulez, pour ne pas trop le blesser, demandez-lui pour rester ami. On va vous donner des idées de phrases. Du coup, pour l'étape 1, vu qu'il faut le faire avec un peu de politesse, vous pouvez lui dire « Je ne ressens pas d'alchimie entre nous ». Pour l'étape 2, vu qu'il ne faut pas trop le blesser, vous pouvez le faire avec un peu d'humour. Donc, vous pouvez dire « Désolée, mais je suis allergique au gâteau et toi, avec ta tronche de cake, tu me donnes des boutons. » Humour. Pour l'étape 3, « Désolée, nous ne sommes pas faits pour faire un couple parfait, mais on peut rester amis. » Voilà, on espère qu'on vous a aidé. Bisous. Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du non-amour. On l'a sûrement tous déjà vu. Pour cela, il vous faudra une enveloppe blanche, du papier soigneusement choisi, un autocollant en forme de point d'interrogation et votre stylo préféré. Écrivez sur la lettre vos réels sentiments. Et n'oubliez pas d'écrire pour qui c'est. Nous, c'est pour Diego. Et pour la donner, il faudra faire un plan. Mais pour ce plan, il faudra laisser votre imagination parler. Et pour ne pas le blesser, demandez-lui s'il veut rester ami avec vous. Salut, on espère qu'on vous aura aidé.